Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Shin. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode commenté de notre Let's Play découverte sur Remember Me. J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, on avait découvert un peu le jeu, on avait pris un peu la main sur le jeu. On avait découvert que Nilin, l'héroïne, était une chasseuse de souvenirs, qu'elle avait été capturée, que bon, du coup, on lui avait effacé tous ses souvenirs. Donc, on va continuer. Je savais qu'il fallait aller au Locking Brain, donc on y est. Et faut retrouver, je sais pas qui en fait. Est-ce que c'est marqué nos objectifs? Ça a pas l'air. Johnny veut mon cœur pour Noël. Tu le sais, hein? Toi, Tommy. T'es en sécurité ici, Bob. T'inquiète. Ça alors! Eh, déjà réussi! Dans mes bras, ma belle! Nilin, ça fait un bail. Je suis désolée. Je n'ai aucun souvenir de toi. C'est à ce point? Tu en mets vraiment plus ma gueule d'ange? Désolée. Ouais. On a tous perdu des morceaux dans cette guerre. Mais t'es libre maintenant. C'est tout ce qui compte. Libre? Non, perdu. Une chose à la fois, Frangine. Il est temps de soigner ton look. Ce gant là-bas, c'est le tien. Je l'ai récupéré dans ta planque, avec tes fringues de combat. Coup de bol qui t'est arrêté un jour de relâche. Ce modèle, c'est du 100% Nilin. Rien à voir avec celui que j'utilisais avant. Le top du top, Frangine. T'es la seule à le maîtriser. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Disons que, à la Bastille, contrairement à toi, j'ai pas réussi à écourter mon séjour. Bon, je te laisse te changer. Ta tenue de combat est dans le casier. Bob, va mater ailleurs, ou j'appelle Johnny. Le gros avantage des indigènes, c'est leur mémoire de poisson rouge. Il n'y a aucun risque qu'ils te balancent à Olga Sedova. La chasseuse de primes, elle est dangereuse? Implacable. Cette vipère va retourner tout le slum du coffret. Pas pour la coffrer, non. Typique d'une fouille cervelle, à peine dehors et déjà au turbin. Nilin ? Nilin ! C'est pour toi, David ! Voilà, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour toi, David.
Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Transfusion mémorielle terminée. Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. Waouh, on joue avec un autre personnage ou quoi? Alors, mise à jour d'objectif. Attends, hein, j'ai cette scène pour faire en sorte que la Docteur Quaid tue David Sedova au lieu de le soigner. Ah, c'est pas mal en fait. On va refaire des mémoires pour changer les souvenirs en fait. Ça a l'air genre cool. Ça a l'air vraiment cool pour le coup. Première étape consiste à trouver des failles mémorielles avec lesquelles vous pouvez interagir. Trouver L dans le sens tourner L dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous trouviez une faille mémorielle. Vous pouvez maintenir RB pour accélérer. Je sais pas pendant combien de temps faut tourner. Je vais approcher d'une faille mémorielle. Et le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Je sais pas pendant combien de temps faut tourner. Ah, sangle, déverrouillé. Vous avez trouvé une faille mémorielle, appuyez sur B pour l'activer. Départ. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Vous avez son donneur que vous avez altéré. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. Déverrouiller sangle n'est pas suffisant pour atteindre votre objectif, donc je dois encore rebobiner. Trouvez maintenant la combinaison de failles mémorielles qui amènera le Docteur Quaid à tuer David. Ok. Déverrouiller sangle gagnera interaction.
La femme est réactivée, sont listés en bas à gauche d'écran sous forme de pictogramme. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous. Je sais pas trop ce qu'il faut faire pour le coup en fait. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Ouais, pour le coup, je sais pas trop ce qu'il faut faire, mais c'est assez intéressant, je trouve. Encourageant. Il faudra prévoir d'autres beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que l'enregistrement ne va pas bugger. Mon ordi m'a fait un peu de la merde pendant les quelques cinématiques. Donc j'espère, franchement, ça a l'air d'être remis en ordre, mais j'espère juste que j'aurai pas de décalage ou autre. Ça m'embêterait un peu. Bref, on va essayer de trouver la faille. Je sais pas trop où elle est la faille en fait. Rentrez chez vous, monsieur. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien. Les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très compliqué. Continuez, Dr. Quaid. Je peux payer son traitement. What? Je vois pas ce qu'il faut faire d'autre encore, en fait. Je trouve pas d'autres phases mémorielles. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. On va y aller tranquillement, histoire de voir se trouver là, faille. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Je vois pas la faille en fait. Pour le coup là, non. Ils disent qu'il y a plusieurs failles, mais j'aimerais bien la trouver en fait cette faille. Beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai fait ça involontairement, c'était pas mon but. Mais est-ce que sinon il y aurait pas un truc encore avant en fait? Je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose à... Terminé. Le masque. Transfusion. Mémorial. Il y avait le masque. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'autre? Je veux juste revenir. Voilà. Mémoriel terminé. Le masque, c'est bon. Tu es... J'ai mal. David, tu vas aller mieux. Olga, tellement vide, tellement vrai. Souviens-toi de nous, David. Notre première fois. Tu vas revenir, David. On va détacher ça. Tu dois revenir.
Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. J'ai vu un truc en arrière et marqué Hawk Vision, mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Bon, je dois appuyer. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien. Les premiers résultats sont encourageants. Il faut. À mon avis, je dois revenir encore plus loin pour que ça fasse ça. Altération annulée. On va voir, on va partir de là. On va devoir commencer là depuis le début, ça sera le mieux. On va trouver toutes les scènes. On va voir plus à partir de là, je pense que ça peut commencer. On va y aller tranquillement, on va pas se presser. On va faire les choses bien. Alors, ah, est-ce qu'il y a quelque chose là? Ça a pas l'air. Alors. Est-ce que j'aurais loupé un truc? Parce que là, je vais revenir au coup du masque, en fait. Je vais revenir au coup du masque, en fait. Donc, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose d'autre avant? Alors, à mon avis, il faut attendre encore un peu. Non, c'est pas. En fait, c'est pas tout de suite le masque. Parce qu'il y a encore le transfert de souvenirs. Donc. On va trouver. Bon, c'est pas que ça commence à être chiant, mais bon. Alors. Là, capsule. Ah ah. Déjà, on a trouvé une capsule qui n'est pas mal. On va voir s'il y a autre chose avant le masque ou pas. On va voir s'il y a quelque chose avant le masque. Oui, le chariot. Déplacé. Machine qui fait ping. Ok. Donc là, ça lui injecte la morphine. On va le faire tranquillement. On va pas se presser, hein. Vaut mieux bien analyser toutes les choses. Après, comme je vous dis, c'est un aspect découverte. Hein. Je n'ai pas touché au jeu depuis le premier épisode. Donc ça va faire... une semaine maintenant pratiquement, hein. Ça fait même une semaine. Donc voilà. Flux mémoriel inversé. Inversion du flux mémoriel. Elle en cours, en cours, pour. Alors. On va y arriver. J'ai l'impression qu'on se rapproche tranquillement, en fait. On va sûrement arriver de nouveau au masque.
mon avis. Non, pas encore. Ça sera après. Il est en train d'avoir mal le mec, c'est hallucinant. Alors, on y va. Ah, il y a le flux qui est inversé et tout, mais je comprends pas en fait. Bon. J'ai l'impression qu'on se rapproche tranquillement en fait. On va voir ce qui se passe en fait parce que. Sèche de cris. Où est mon visage? Je sais pas. Est-ce que ça suffit ou pas? C'est impossible. Ça a l'air en tout cas, ça a bien changé la scène déjà. Ma chair. Quarantaine. Quarantaine. Tellement vide. Tellement. Ouais. Je crois qu'on a changé quelque chose là. La personne d'attention mémorielle a tué Olga. C'est ce qu'on appelle un bug mémoriel. Puisqu'on ne peut pas se rappeler qu'on est mort, n'est-ce pas? Ouais. Donc je l'ai rembobiné. J'ai fait un truc qu'il fallait pas. Ok. Ah, en fait, je me suis complètement loupé. Donc on va voir où c'est ce qu'il faudrait enlever. C'est assez compliqué quand même, hein, mais. J'aime beaucoup le principe. J'aime beaucoup le principe et on va favoriser sa réceptivité. On va changer ça. À votre transfusion. On va changer ça pour voir. Ça change quelque chose ou pas. Il tachycarde. Très inhabituel. Docteur, c'est pas normal. Son esprit surréagit, c'est tout. Rien de méchant. Tâchez de vous concentrer sur des souvenirs apaisants. Le masque à oxygène, on va l'enlever. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Est-ce que ça va être là? Non. Bon, est-ce qu'on peut pas l'enlever? Vide. Souviens-toi de nous. Bon. Souviens-toi on va de voir. Toi. Ça change quelque chose ou pas? Enfant des nuées! Pourquoi rampes-tu? Quoi? Les mouches me mangent. Les manques me mouchent. Ah. Ouais, la sangle. On va l'enlever. Ouais, là on a changé quelque chose là. Mon dieu dégénéré. Meurs. Non. Ouais, là on a vraiment changé ce qu'il fallait là. Succès déverrouillé, erreur médicale. Elle est pas mal celui-là. Pas là pour te coffrer. Tu veux toujours brûler Memorize? Oui. Alors nous avons un ennemi commun. Quel retournement.
Enfin, je veux dire, quelle bonne surprise. Pour tous. Je suis sûre qu'Olga a ses raisons. Une seule raison suffit. La grande Olga Sedova rejoignant la révolution héroïste. C'est moi ou il y a de l'amour dans l'air? La dernière fois que je t'ai arrêté, t'étais plus jeune et plus résistant. T'es plus sur ma liste. Ça veut pas dire qu'on va traquer ensemble. Ok, Olga. On n'ira pas en vacances ensemble, ça me va. Mais Nilin est attendue dans les beaux quartiers. Et la route est surveillée. T'aurais pas une idée? Non, j'ai mieux que des idées. Ça, c'est ma Nilin. Et ses tours de magie. Personne d'autre ne sait faire tourner les têtes comme toi. D'abord, tu me cognes. Après, tu ruines mon petit commerce. Ça commence à ressembler à de l'amour vache. Peu importe, on perd du temps. Merci, Tommy. Vraiment. T'as pas perdu la main, ma belle. Edge a eu raison de miser sur toi. Comme nous tous, d'ailleurs! C'est trop énorme! C'est vraiment énorme en fait. J'aime beaucoup. Malgré le brouillard de mon amnésie, les risques pris par Tommy et Edge pour me libérer m'ont bouleversé. Ils comptent sur moi pour punir les privilégiés de Néo-Paris. Edge parle d'une opération clandestine à mener au cœur de la conforteresse Saint-Michel. D'un réveil brutal de ce quartier hautement sécurisé, pour en faire le terrain propice à une révolution. Pourquoi pas? Plus qu'à la justesse de son combat, c'est à son amitié que se raccrochent mes pensées à la dérive. Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire? Suis-je si dangereuse? Dans ma poitrine, dans ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts, je sens palpiter ce pouvoir unique qui les effraie. Qui m'effraie aussi, avoir le pouvoir de pénétrer les souvenirs d'autrui, pour les modeler à ma guise, pour réécrire le passé. C'est comme être Dieu. Saisi par le vertige de cette révélation, je n'ai qu'une certitude. Si ce pouvoir fait partie de moi, je dois retrouver ce qui m'a été arraché. Je dois réapprendre mon don. Ouais. En tout cas, ça s'annonce plutôt cool. Et elle a beaucoup plus la classe comme ça aussi que dans ses habits de détenu cobaye scientifique. Non, franchement, ça s'annonce pas mal. Par contre, j'espère qu'on ne devra pas le faire tout le temps, le coup du « je retourne la tête des gens » parce que ça va vite être long et chiant. Bienvenue dans le quartier Saint-Michel. Merci d'avoir choisi R.C. Dova. Bonne chasse. Pas de guide prévu? Désolé, j'ai des affaires familiales à régler de mon côté. Ta première cible s'appelle Kaori Sheridan. J'ai besoin de codes confidentiels cachés dans sa mémoire. Qui est-ce? La plus célèbre architecte de Néo-Paris. Elle en tête tous les moindres détails de chaque bâtiment qu'elle a conçu. Je la trouve comment? Ton contact s'appelle Bad Request. Il t'attend au dernier étage de la rotonde Saint-Michel. Bad Request à la rondeau de Saint-Michel, d'accord. Ah ouais, là ouais, d'accord. Ah là, c'est un peu plus de liberté, j'ai l'impression, dans les... Oh, ouh, ouais. Ah, déjà, c'est pas la même vision que le premier épisode, en fait. Il y a une petite boulangerie, on va y lâcher du pain. Faites pas attention à moi. Reste calme, Nilin, reste calme.
peut acheter quelque chose. Cool. En tout cas, ouais, les décors, c'est pas du tout les mêmes que le premier épisode. C'est privilégié, barricadé derrière leur petit confort, quand d'autres manquent de tout, à quelques mètres d'eux. Tout le monde ne peut pas naître du bon côté de la barrière. Ce n'est pas leur égoïsme que je condamne, Frangine. C'est leur acharnement à oublier tout ce qui les dérange. Mmh. Ouais, franchement, pour le coup, ça s'annonce plutôt pas mal. Là, ce qui va se passer. Mais ça a l'air assez ouvert, hein, parce que voilà, il y a des rues qui sont ouvertes. Mais bon, apparemment, je dois aller par la Ronto de Saint-Michel. Je suis en retard. Merde. Mon Dieu, je suis vraiment désolée, madame. Vous allez bien? Est-ce que je dois appeler des secours? Non, je vais bien, je vais bien. Si vous souhaitez porter plainte, mon identification a été fournie à votre terminal Sensei. Bonne journée. Enfin! Ça fait 20 minutes que j'attends! Eh, mais c'était pas la dame qu'on voyait dans la cinématique au début là? Qui était partie. On dirait, hein? Tu me cherches, je te trouve. Personne m'échappe. Ok. Ouais, bah cool. C'est par où ensuite? Oula! Est-ce bien votre adresse, madame? Oui. Oui, je crois. Merci. À votre service. Si vous êtes sujet aux pertes mémorielles, ne sortez plus sans activer votre Oak balise. Attends, on dirait qu'on en a une autre. Mademoiselle, tout va bien? Vous avez l'air perdu. C'est elle, la chasseuse de souvenirs en fuite. Ici patrouille 17. Suspect en fuite repéré. Intervention en cours. Isolation du périmètre. Non, mais les gars, c'est pas moi. Lorsque vous voyez un signal d'attaque, appuyez sur A pour sauter par-dessus l'ennemi que vous êtes en train de frapper. Vous pouvez ensuite continuer vers votre combo. Cool. Ah, pas mal. Ah, c'est pratique pour esquiver, remarque. Overlad. Aïe. Ah, ça doit faire mal, ça. Exécutez suffisamment de... 20% de puissance contre les enforceurs et vous déclencherez des coups de grâce overload. Ok. Ah, c'est vraiment pratique pour esquiver le coup que tu as là. Toi, tu m'as fait mal, enfoiré. Aïe. Voilà, c'est ça. Nouvelle disponible, appuyez sur... c'est quoi, c'est un combo que j'ai débloqué? Une fois, première personne placée... ouais... Une clé disponible... Ah, ça date pour... Voulez-vous utiliser une clé pour des virus suppressants? Oui, allez. Y, ok. Est-ce que... Ok, d'accord. Donc après... Ok, d'accord. Y, X, Y, X, Y, d'accord. Ah, ça fait un plus gros combo, d'accord. Là, c'est par où ensuite? Faut aller par où? Ah. Non. C'est par où ça? En haut? Je peux pas monter là? Apparemment non. Oui, d'accord, c'est par où? Ouais. Je cherche le chemin. Ah merde, c'est fermé. Demi-tour.
Mais ça c'est par où en fait? Ah ok d'accord, je viens de voir. Ah. Allez. Voilà. Ah, quand on voit les chemins c'est mieux hein. Passer par les toits, excellent. Tu retrouves tes réflexes. C'était qui? Les uniformes. La Force Sabre. Police privée financée par Memorize. Le bras de la loi avec le sourire. Ah, j'avais cru voir un truc briller ici, mais en fait non, il n'y avait rien du tout. Non, bon, on va remonter, hein. Du coup, pour la peine. Voilà. Voilà. Tout simplement. Ouais, franchement, je commence à vraiment bien aimer ce jeu, pour le coup. Il y a vraiment des bonnes idées qui ont été pensées. Non, non, on remonte. Voilà. Elle ne peut pas être loin. Ah ah. En formation. Pourquoi il me demandait d'aller là sinon? Pourquoi il me demandait si je voulais aller là sinon? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien. Bon. Il n'y a rien donc je vais par là. Alors, ah. Non, j'en ai pas besoin? Ok. Donc ça veut dire que je m'étais bien soigné pendant le combat alors. Oh là, oh les gars. Oh, c'était quoi ça? Le souvenir d'un présent spécial S-60 est revenu à Niline. La foudre sonne ses furies, permet à Niline de virevolter d'un ennemi à l'autre en leur assommant des coups de plus en plus puissants. N'interrompez pas l'enchaînement. Appuyez sur AT pour et maintenez-le appuyé pour ouvrir la roue Espressence. Ok. En furie, Nini n'utilise pas ses combos. Appuyez sur X ou Y de façon répétée pour enchaîner les coups. Plus l'enchaînement est long, plus les dégâts infligés sont importants. Ok, d'accord. Oh, c'est stylé! Ah ouais, j'adore! Le nombre affiché sur l'icône furie et son temps de recharge. Il indique le nombre de secondes que vous devez attendre avant de pouvoir réutiliser la furie. Ok, pas mal. Ah, ça veut dire que c'est, je peux l'utiliser quand je veux tant que le temps est là, quoi. Nouvelle classe de présence est disponible. Appuyez sur back pour ouvrir le menu Sensens. Nouvelle classe de présence est disponible. Oh. La présence de recharge permet à Nini de réduire tous les temps de recharge actifs de ses présences. Un mode facile de réutiliser rapidement la Sensens Fury. Ok, continue. Et ça, c'est nouveau pouvoir présence dans mon combo. Là. Oui. Voilà. Ah, ça recharge vraiment plus vite, quoi. Ah, franchement, c'est pratique, ça. Alors c'est LT, c'est ça, et c'est un sens furie. Allez le gars, fini de jouer. Okay, ça c'est vraiment facile pour le coup. Ils sont vraiment nombreux pour le coup. Allez, je réutilise mon série, ça sera beaucoup plus pratique. Ah ouais. Ah ouais, pour le coup, j'aurais fait vraiment bien mal quoi. Oh. J'aime beaucoup ça pour le coup.
Ouais, la musique. Par ici. Je me suis loupé, je crois, ouais. Faut que... Voilà. Ah, ok, ouais, d'accord, j'ai compris le délire. Ouais, j'ai compris. J'ai compris, en fait, faut aller plus vite. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, regardez. Allez, hop, c'est parti. Voilà, simplement. Il ressemble à quoi ce Bad Request ? Jeune, nerveux, mal coiffé. Chasseur de souvenirs débutant et fidèle à la cause. Oh, et il est ton plus grand fan. Non. J'ai un fan, moi. C'est cool, ça. Enfin, à mon avis, je sens que je vais moins rigoler quand je verrai. Le quartier est verrouillé. Propre sécurité, éloignez-vous. Je suis là. Mais vous ne me voyez pas. Ok. Par où? C'est par où là? Ouais, apparemment. Oula. J'ai plutôt eu très chaud. Tu es presque arrivé à la rotonde. Et la force sabre a perdu ta trace. Bien joué. Bon. Voilà. On arrive. C'est stylé. Papa Charlie et ses grands projets. Sa promesse d'utopie a surtout causé des drames à répétition. Cette saloperie de réseau Sensen était sa grande œuvre. Et regarde le résultat moisi. C'est lui le patron de Memorize ? Non, lui c'est le génie créateur, la star capricieuse qui fait mumuse dans sa tour d'ivoire. Memorize est dirigé par sa femme, Cilla Cartier-Wells. Un nom, deux têtes, mille raisons de s'inquiéter. Ah, ok. Je sens que ça va pas être cool, tout ça. Niline, la chasseuse, je suis ton plus grand fan. Merci. J'ai déjà repéré le parcours. C'est pas la première fois que je vais faire mon marché chez les Richards. Je cherche le bureau de l'architecte. Tout est ici. Il y a une heure, j'ai mémorisé le trajet idéal pour éviter les drones de surveillance. Il te suffit de me le prendre. C'est un grand honneur de me faire ouvrir par la meilleure. Ce sera une sorte de dédicace. Voler le souvenir, d'accord. Ouverture d'esprit. Trajet vers l'appartement de Corey Farland. Est-ce que t'as tout pris ? Oui. Marche dans mon passé. Une piste des rémanescences pour te faufiler à ton tour entre les drones qui protègent la conforteresse jusqu'à Kaori Sheridan. Écoute, j'ai parsemé le trajet de balises mémo-localisées. Elles t'indiqueront quand activer mes rémanescences. Et merci de pas m'avoir siphonné la tête. À un moment, j'ai cru que t'allais me faire oublier notre rencontre. On s'oublie pas. C'est mon plus grand fan. Une reminiscence de projection virtuelle d'un signal mirisé projeté en réalité et en réalité augmentée. Appuie sur B pour l'activer. Ok. Et ben, vous savez quoi ?
Eh ben, on activera ça dans le prochain épisode, les amis. Parce que je vois le timer, ça fait quand même 3 quarts d'heure maintenant qu'on est ensemble. Même un peu plus si je compte le bug que j'ai eu en tout début d'épisode. Donc voilà, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis vraiment... franchement, j'aime beaucoup ce jeu pour le coup. Là, franchement, il y a pas mal de trucs sympas. Les idées sont vraiment pas mal. Et puis, non, voilà, franchement, moi, j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à me donner vos retours sur cet épisode. Et puis moi, je vous dis donc à très vite pour la suite de notre aventure sur Remember Me. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.